différence de richesse, donc l'inégalité entre les citoyens, vient principalement de deux sources. La première source est la différence des revenus acquis et générés par l'activité économique de la personne pendant toute la durée de sa vie. La deuxième source est la différence de patrimoine acquis par l'héritage. Nous acceptons l'inégalité de richesse entre les citoyens si cette inégalité est le produit d'un travail plus intense, plus performant ou plus risqué. Nous refusons l'inégalité si cette inégalité est le produit d'un patrimoine acquis par la simple application de la loi. Il en découle qu'à notre avis, l'acquisition de la propriété ne peut résulter de la transmission automatique des patrimoines défunts à des attributaires nominatifs désignés par la loi. Les patrimoines non transmis des citoyens défunts doivent donc revenir à la collectivité qui redistribuera équitablement à tous les autres citoyens le produit de leur vente. Dans la Constitution nouvelle, la transmission de la propriété ne peut se faire qu'entre vifs par contrat, librement, de façon onéreuse ou gratuite. Cette transmission peut s'assortir d'un usufruit du cédant, limité dans le temps ou en viager. Dans la Constitution nouvelle, la transmission de la propriété ne relève donc plus d'un dispositif législatif automatique, elle ne peut émaner que d'un libre contrat entre vifs. C'est le septième point de rupture avec la Constitution actuelle. L'objectif du Parti pour l'après-croissance est de faire en sorte que ce programme pour une société de l'après-croissance soit présenté.